Welcome to Français Facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Il est un homme courageux, disent les gens à mon sujet. Il n'a jamais peur. Ils ont tort. Je n'ai pas toujours été un homme courageux, et parfois j'avais peur. Très peur. Maintenant, je suis un homme important. J'ai un travail important. Les gens me connaissent et m'apprécient. Mais ils ne savent pas que je n'ai pas toujours été courageux. Laissez-moi vous raconter mon histoire. J'étais un jeune homme très timide. Je n'aimais pas parler aux autres jeunes hommes. J'avais peur qu'ils se moquent de moi. Ah, les filles me faisaient encore plus peur. Alors je n'osais même pas leur parler. Maintenant, je veux aider les gens timides, car je me souviens de cette période où j'étais très malheureux. Ensuite, il y a eu une guerre entre mon pays et un autre pays. On m'a demandé de devenir soldat, même si j'avais toujours peur. C'était une situation très dangereuse. J'avais peur, et même si les autres soldats ne parlaient pas de leur peur, je savais qu'ils la ressentaient. Je pensais qu'ils ne connaissaient pas la peur, et qu'ils se moquaient de moi. J'avais tort, mais je ne le savais pas à l'époque. Cela me rendait très malheureux. Un jour, alors que j'étais en ville, j'avais deux jours de congé loin de mes camarades soldats. Je me sentais seul, sans aucun ami, ce qui me rendait très triste. En marchant lentement devant quelques magasins, j'ai remarqué un vieil homme près de la route, où il n'y avait pas beaucoup de voitures, je me suis demandé pourquoi il hésitait à traverser. En m'approchant de lui, j'ai remarqué quelque chose dans ses yeux. Oh, ai-je pensé. Maintenant je comprends. Il ne peut pas voir. Il veut traverser. Mais il a besoin d'aide. D'autres personnes marchaient rapidement devant lui. Pressé d'aller travailler ou de rentrer chez eux, elle ne s'arrêtait pas pour l'aider. Elle n'avait pas le temps. Mais moi j'avais le temps. Beaucoup de temps. Je ne faisais rien. Pourquoi ne pourrais-je pas l'aider Après tout, je n'avais pas peur de lui. J'ai donc pris le bras du vieil homme et je l'ai aidé à traverser la route. Merci dit-il en touchant mon manteau. C'est un manteau de soldat, remarqua-t-il. Es-tu un soldat Oui, peut-être, répondis-je d'une voix triste. Le vieil homme chercha dans sa veste, en sortit quelque chose et me le donna. Prends ceci, dit-il. Cela t'aidera. Porte-le et tu seras en sécurité. Rien de mal ne t'arrivera. Et il est parti, et j'ai regardé l'objet dans ma main. C'était un petit porte-bonheur, joli mais étrange. C'est pour les filles, ai-je pensé, et je l'ai mis dans mon manteau. Le lendemain, nous sommes partis à la guerre. J'avais peur très peur. Mais je me souvenais du porte-bonheur dans mon manteau. Peut-être qu'il m'aiderait, ai-je pensé. Alors je l'ai pris avec moi. Tout à coup, je n'avais plus peur. Pourquoi Je ne le savais pas. Est-ce grâce au porte-bonheur Ce jour-là était difficile. Des hommes mouraient tout autour de moi. Peut-être que ça sera mon tour. Ai-je pensé. Mais je n'avais pas peur. Notre chef était courageux. Il marchait devant nous et nous le suivions. Soudain, il est tombé. Il est tombé par terre et n'a pas bougé. Les autres soldats se sont arrêtés. Ils étaient effrayés. Peut-être que notre chef n'est pas mort Ai-je pensé Je vais aller voir. Je me suis approché de lui. Les combats étaient plus violents maintenant. Mais je n'avais pas peur. J'ai mon porte-bonheur avec moi Ai-je pensé Je serai en sécurité. J'ai alors aidé notre chef à se rendre dans un endroit plus sûr. Puis je l'ai regardé. Il était très pâle et malade, mais il n'était pas mort. Ses yeux se sont ouverts et il m'a souri. Il a parlé, pas facilement, mais je l'ai entendu. Avance, a-t-il dit. Les hommes te suivront. Les hommes m'ont suivi et nous avons bien combattu ce jour-là. Après ça, ça allait mieux. Plus tard, je suis devenu chef aussi. Et les hommes étaient heureux de me suivre. Les gens ne se moquaient plus de moi, mais je me demandais, est-ce que c'est vrai Je ne suis pas très courageux. C'est juste à cause du porte-bonheur. Je n'ai pas dit aux autres que je l'avais. Pour la première fois, j'avais des amis et j'étais heureux. Un jour, nous devions traverser un pont important. Il y avait beaucoup de soldats dessus, armés de gros canons. Le paysage était ouvert, sans aucun arbre, ce qui rendait la situation très dangereuse, et mes hommes étaient effrayés. Nous allons tous mourir disait-il. Écoutez, leur ai-je dit, je vais avancer en premier, et nous courons très vite jusqu'au pont. Ne soyez pas peur. Ils ne peuvent pas tous nous tuer. Suivez-moi, et nous réussirons à prendre ce pont. J'ai cherché dans mon manteau, mais le porte-bonheur n'y était pas. Que faire ai-je pensé. Je ne peux pas être courageux sans lui. J'ai regardé les visages de mes hommes. Maintenant, ils n'avaient plus peur. J'ai remarqué. Mes mots les ont aidés. Ils ne sont plus effrayés maintenant. Ils attendent que je les guide. Ils me suivront partout. Je suis leur chef et je ne peux pas avoir peur. J'ai crié. Allons-y Nous avons couru. Nous sommes arrivés au pont. Nous avons perdu quelques hommes, mais nous avons réussi à le prendre. Je n'oublierai jamais ce jour-là. J'ai appris quelque chose sur les hommes courageux. Les hommes courageux ont aussi peur, mais cela ne les arrête pas. Je me souviendrai aussi de ce vieil homme avec le porte-bonheur. Ça t'aidera, a-t-il dit. Il avait raison. J'ai appris à être courageux sans lui. J'étais jeune à l'époque, et maintenant je suis vieux. Les gens pensent que je suis un homme courageux, et oui, ils ont raison. Je le suis.